venez à l'église? La troisième fois que vous venez à l'église. Oh Seigneur. Et alors, ces lunettes-là, vous en aviez besoin pour voir de loin. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Et là, vous voyez clairement au fond de la salle. S'il vous plaît, glorifiez Dieu en Jésus-Christ, applaudissez. Tu ne pouvais pas marcher sans la béquille. Maintenant, tu peux marcher sans la béquille. Ça, c'est merveilleux. Tu vas marcher là-bas, montre-moi ça. Et Seigneur, va achever complètement cette guérison. Applaudissez ça. De Jésus, que ces gens maintenant s'alignent. Simplement, merci Saint-Esprit. Voilà, reçois, reçois ta guérison complète. Wow. Merci Seigneur. Voilà, ta jambe, t'as senti la jambe s'aligner là. Et la femme, tu cours. Et la jambe avec lui. Amen, amen. Voilà, c'est fait. Au nom de Jésus, tu pleures. Pour voir de loin ou de près? Ouais. De près pour lire. Ouais. Donc maintenant tu lis sans lunettes. Voilà, mon pasteur est témoin. Pasteur est témoin. Le pasteur est témoin. Ouais. Amen, amen. Ouais. Donc tu passeras toucher ton chèque. Applaudissez le Seigneur. Il a donné sa vie en sacrifice sur la croix. Il a été livré pour toi. Le Fils de Dieu a été cloué sur la croix pour toi, afin que tous tes péchés soient pardonnés, lavés par le sang. Le troisième jour, il est ressuscité et il est au milieu de nous ce soir par le Saint-Esprit. Il t'appelle, te désire, il t'aime, il te tend sa main, met ta main dans sa main. Et reçois le pardon des péchés ce soir. Et sois délivré. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un dans cette salle qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Levez votre main. Amen, 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 amen. Je parle pas aux chrétiens, là. Je parle pas à ceux qui vont à l'église le dimanche et qui ont besoin de se repentir. Je parle à ceux qui ont été invités pour entendre la bonne nouvelle. C'est peut-être la première fois, peut-être la deuxième ou la troisième, tu commences à t'intéresser, puis là, tu veux donner ta vie à Jésus. Qui sont ces personnes? Levez votre main maintenant. Amen, 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 amen. Applaudissez le Saint-Esprit. Avant, on a vu que Dieu, notre Père, nous donne des dons excellents. Il est le Père des lumières. Le Père des lumières. Le Père des lumières. Tu deviens lumière par la nouvelle naissance. Tu vois? Alléluia. Gloire à Dieu.
Seigneur. Oh Jésus, il n'y a pas de péché mignon, ça n'existe pas. Et c'est bien, ma soeur, que tu sois venue moi ce soir. Pour abandonner tes vies à Jésus. Et vous avez peut-être à la maison des choses qui ne plaisent pas du tout à Dieu. Vous des glaces, des petites statues, des faux dieux, des choses. Débarrassez-vous de tout ça. Car Dieu est un esprit qui cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Peut-être vous entretenez une relation avec un homme marié. Peut-être vous avez des rapports en dehors des liens sacrés du mariage. Vous devez cesser. Peut-être que vous faites ça avec votre futur mari, mais repentez-vous, fiancez-vous, mettez votre vie en règle. Ah, je vois des hommes qui commencent à venir, gloire à Dieu, applaudissez le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a changé ça. Peut-être que vous avez des habits où c'est marqué des choses bizarres dessus. Après, il y a des t-shirts, vous savez, on a des têtes de diable, et toutes sortes de choses comme ça. Débarrassez-vous de ça. Au nom du Seigneur Jésus. Peut-être vous avez des bijoux, peut-être même des bijoux trafiqués avec l'occultisme. Débarrassez-vous de ces choses, des médailles miraculeuses, toutes ces choses. Vous n'avez besoin d'aucune de ces choses dans votre vie. Vous n'aviez besoin que de Jésus. Et ce soir, comme vous recevez Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, ça veut dire que vous entrez dans une vie nouvelle. Et vous pouvez prendre un merveilleux psaume ensuite à la maison. C'est le psaume 23 où il le dit, il le déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans nos herbes pâturages près des eaux paisibles. Et tout à la fin il dit, et le bonheur et la grâce m'accompagneront